Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 16 mai 2023, nous avons une annonce passionnante à partager avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Cela aide énormément notre contenu à être vu par plus de personnes. Hapag-Lloyd, le géant de la logistique et du transport maritime, a récemment lancé un nouveau service de conteneurs, appelé WA1, West Africa Service 1. Ce service, qui aura une fréquence bimensuelle, reliera Tanger-Med, Nouakchott, Freetown, Conakry, Monrovia et retour à Tanger-Med, avec la première traversée prévue pour le 15 mai. Ce développement passionnant a pour objectif de faire de la Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia de nouveaux marchés pour Hapag-Lloyd et d'assurer la continuité du service vers la Mauritanie. Le WA1 ajoutera les ports de Freetown, Conakry et Monrovia à son portefeuille de services. Diraï Batia, directeur général principal de la région Moyen-Orient, Inde et Afrique chez Hapag-Lloyd, s'est exprimé avec enthousiasme sur le lancement du nouveau service. Il a déclaré que le lancement du WA1 réaffirme l'engagement de Hapag-Lloyd à étendre sa présence en Afrique de l'Ouest. Il a également souligné que cela permettra à la compagnie de mieux servir ses clients en offrant des solutions plus souples et plus efficaces. De plus, Hapag-Lloyd a annoncé une nouvelle rotation et un nouveau calendrier pour son service WAX West Africa Express, reliant Tanger-Med, Dakar, Tema, Abidjan, et retour à Tanger-Med avec une fréquence hebdomadaire. Ce service offrira un produit hebdomadaire pour les marchés d'importation et d'exportation, offrant ainsi plus de flexibilité aux clients. Et voilà pour l'actualité économique du jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous avec vos pensées sur ces développements passionnants. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur les projets économiques au Maroc et dans le monde. Merci encore et à très bientôt sur Projet du Maroc.